Les théâtres en Hongrie vont-ils perdre leur indépendance artistique? C'est la question après l'adoption au Parlement de Budapest de cette loi controversée. Elle renforce la tutelle de l'État sur les nominations et la gestion des théâtres subventionnés. La plupart des théâtres hongrois sont gérés par les municipalités, mais la plus grosse part du financement provient du gouvernement. Ce dernier aura donc le pouvoir de stopper les subventions ou changer de directeur si la programmation artistique lui déplaît, par exemple. Eh bien, si la mairie n'assume pas la responsabilité de son théâtre, c'est-à-dire si elle n'assure pas son financement, alors nous ne comprenons pas vraiment pourquoi elle a besoin de ce théâtre. Qu'est-ce qu'ils croient? Que l'État donne simplement l'argent et qu'ils en font ce qu'ils veulent? L'opposition, qui a manifesté contre cette loi dans l'hémicycle, fait remarquer qu'aucun des conseils municipaux ne peut financer ces théâtres par ses propres moyens, de sorte qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Pendant ces 9 années de règne, quand les maires de Budapest et des villes les plus importantes appartenaient au Fidesz, le parti de la majorité, l'État n'est jamais intervenu dans la nomination des directeurs de théâtre. Maintenant que le Fidesz a perdu plusieurs villes, y compris la capitale, comme par hasard, il est soudain extrêmement important que l'État ait son mot à dire dans la nomination des directeurs de théâtre. Une version du projet de loi avait fuité et envoyé des centaines d'amoureux de théâtre dans la rue, furieux que l'État puisse contrôler la création artistique. Le maire de Budapest, dans l'opposition, a promis que sa ville financera seule ses théâtres pour s'affranchir de la tutelle de l'État ultra-conservateur de Viktor Orban.